carême cette année, ça, c'est le plus important de tous puisqu'il mène vers le baptême. Donc. Je pense que c'est le moment de pouvoir renouer des relations ou des liens avec des gens qu'on a mis de côté. C'est aussi un peu se faire violence pour se recentrer sur la foi. Le carême, c'est un moment de partage. L'amour du prochain. C'est un moment où on s'ouvre aux autres. C'est le moment où on se rapproche de Dieu, d'apporter... Dieu a donné sa vie pour nous. Et c'est un moment de se remémorer et de revivre une période de mémoire de Dieu. Justement, pour arriver au baptême avec une libération en moi. Puis la prière qui nous rapproche au maximum de Dieu. C'est se rapprocher de Dieu. C'est un moment où c'est une marche qui amorce quelque chose qu'on veut pérenne dans le temps. Pour aider autour de nous, parce que la foi, elle passe avant tout aussi par l'aide des gens, de penser aux autres, pas uniquement qu'à soi. C'est la démarche qu'a fait Jésus lorsqu'il est parti dans le désert, où il a été soumis à la tentation. Et ça nous invite, pendant cette période-là, à faire à l'image du Christ, résister à certaines tentations du quotidien, être à l'image du Seigneur dans son attitude. Quand je vois toute cette communauté autour de moi, cet échange, j'ai l'impression de ne plus être toute seule et vivement mon baptême.